de faire en ce moment et à cet instant T. Nous avons reçu l'information que il y a eu des terroristes, il y a eu des des mercenaires qui ont même voulu aller faire des attentats au niveau de la France pendant la période des Jeux Olympiques, qu'ils étaient en Côte d'Ivoire et que c'est le gouvernement américain, les services de renseignement américains qui ont pu démanteler ces terroristes. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Nous parlons de quelqu'un comme Alassane Dramon Ouattara, qui est un brigand, un marmaillon, un sanguinaire, un vautour, un menteur de trous les cheveux, un vieux assassin de plus de cela, qui aujourd'hui n'a même pas le contrôle de la Côte d'Ivoire. C'est que, en Côte d'Ivoire, on a des islamistes qui rentrent en Côte d'Ivoire. Des terroristes qui rentrent en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement et ivoirien n'est même pas en mesure de savoir qu'il y a un danger qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est les services de renseignement américains qui ont traqué ces terroristes à aller les prendre jusqu'en Côte d'Ivoire. Et avec ça, on nous parle de la Côte d'Ivoire à le même système de sécurité que Genève. Avec ça, on fait venir des misses trans en Côte d'Ivoire. Venez encore troubler les Ivoiriens. Avec ça, on paye des influenceurs pour passer leur temps à quoi? À emmener cette génération à être abrutie et à être focalisée sur ce qui n'est pas important, ce qui ne peut pas en changer la Côte d'Ivoire, ce qui ne peut pas emmener les Ivoiriens à aller de l'avant, ce qui ne peut pas contribuer à l'édifice de la Côte d'Ivoire et surtout ce qui ne peut pas assurer la sécurité des Ivoiriens. Comment vous expliquez cela? Et cela s'est passé depuis le mois de juillet. Ils ont caché l'information. Ils ont caché l'information. Maintenant, le drap a pété. Ils sont obligés de parler. Bon, comme vous connaissez la guerre, quand je fais, je ne sais pas, faire à peu près. Je vais vous montrer, on va écouter. Voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous allons écouter réellement et vous allez mieux comprendre. Faites monter le mercure, nous allons zailler. Parce que l'heure est grave. Sautons à l'ouverture de nouvelles routes pour terroristes. Loin des schémas habituels, 8 Syriens et Irakiens ont été appréhendés l'été dernier en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Leur projet, rejoindre l'Europe, peut-être pour y semer la mort pendant les Jeux de Paris. C'est une enquête qui révèle toutes ces informations et nous sommes avec... Nous allons écouter attentivement. Hein. Bonjour Benjamin. Voilà. Merci d'être avec nous. Ces coups de filet ont été réalisés l'été dernier simultanément à Abidjan et à Antananarivo. C'est une et même cellule qui a été démantelée, c'est bien cela? On écoute. Bonjour. Oui, c'est en tout cas tous ces gens qui ont été arrêtés le 28 juillet, fin juillet à Abidjan et Antananarivo sont... Depuis le 28 juillet, il y a des mercenaires islamiques, des djihadistes, des terroristes. C'est-à-dire que si on les arrêtait en juillet, là, ça veut dire qu'ils sont en Côte d'Ivoire, ça fait un moment. Vous voyez la gravité de la chose. Ils sont en Côte d'Ivoire, ça fait un moment. Et ils ont été arrêtés le 28 juillet. Et qui a démantelé? C'est les services de renseignement américains. Pendant que Alassane Dramon Ouattara est en train de prendre l'argent des Ivoiriens, aller payer des chars de combat. Aller sécuriser les frontières Burkina Côte d'Ivoire parce que il sait dans quelle manigance ou quoi il veut faire encore pour aller déstabiliser le Burkina, le Mali et le Niger. En tant les Ivoiriens sont là, ils savent même pas qu'on a arrêté 6 mercenaires. Des djihadistes qui peuvent faire des attentats. Et l'heure est grave. Hein. Vous pensez que vous êtes en sécurité sous Ouattara? Vous n'avez rien vu d'abord. On écoute. À minima, proche et se connecter, il y avait des liens plus ou moins étroits avant d'être arrêté. Donc, d'où la déduction des enquêteurs qu'ils étaient tous membres de la même cellule, du même réseau. On sait quoi de leur parcours par quel biais ils sont arrivés en Afrique? Alors, ils ont beaucoup voyagé. Les principaux suspects sont 3 cousins syriens de la région, de la ville, originaire de la ville de Deir ez-Zor. Qui ont été dans les rangs de l'État islamique pendant la période du califat, donc
à partir de 2014 jusqu'à 2016. En 2016, au moment de la contre-offensive syrienne et de la coalition internationale, ils ont fui vers la Turquie, et de la Turquie, ils ont été au Soudan en espérant qu'ils obtiendraient la nationalité soudanaise. Mmh. Et en fait, au lieu de ça, ils ont été identifiés par les services de sécurité soudanais comme des anciens membres de l'État islamique. Mmh. Et ils ont été arrêtés, ils ont fait de la prison, et à partir de là, ils sont passés en Côte d'Ivoire, puis après à Madagascar, et ensuite pour revenir en Côte d'Ivoire. Donc sur la carte, on est... Ils sont partis en Côte d'Ivoire, ils sont allés à Madagascar, et puis ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ces gens qui sont traqués là, on peut rentrer en Côte d'Ivoire à deux reprises, jusqu'à ce que c'est les services de renseignement américains qui ont pu démanteler ces gens-là, jusqu'à savoir où ils sont en Côte d'Ivoire à Kumasi. Quand on vous dit que la Côte d'Ivoire est en danger, en perte de vitesse avec Ouattara, vous pensez que c'est de l'amusement. Aujourd'hui, on a les passeports qui sont donnés à n'importe qui, n'importe comment en Côte d'Ivoire. La carte nationale d'identité est donnée. On a des gens dans les maisons qui ont des machines même, selon les informations, qui sont en train de fabriquer des passeports qui ne sont pas authentiques. Vous pensez parce que c'est biométrique là qui ne peuvent pas créer ça? Vous pensez? Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est mise dans une posture d'insécurité totale. Mais c'est Ouattara qui veut aller attaquer les autres pays limitrophes. Pendant que on a des terroristes, des djihadistes qui sont en Côte d'Ivoire, qui mangent, qui dorment, qui sont là pendant un moment. Et le service de renseignement ivoirien ne peut même pas savoir. Vous comptez sur quoi? Vous pensez que le service de renseignement ivoirien, là, c'est un service de renseignement qui peut créer quelque chose? Quand je vous dis que c'est la merde, le bordel, la chimique en Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez? Malgré tout l'argent de la Côte d'Ivoire qu'on a pris pour prison, les encagoulés, autres et tout. Ils ne peuvent rien créer ici. Les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes. C'est ce qui concerne la sécurité. Je le dis au fond. Hein. C'est ce que Ouattara vous comptez. Vous allez tous dire. On va revenir en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc on le voit sur la carte, on est vraiment loin des schémas habituels. Normalement, ces membres partent du Moyen-Orient et filent vers l'Europe. Et qu'est-ce qu'on sait de leur objectif, Benjamin? C'était de frapper sur le sol européen et pourquoi pas les Jeux de Paris, même si ça reste à prouver, c'est ça? Leur objectif, pour être bien clair là-dessus, leurs objectifs sont flous. Ce que suspectent les enquêteurs qui les ont arrêtés, ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient pistés, suivis par les services de renseignement américains, qui ont alerté les services ivoiriens et malgaches quand ils les avaient identifiés, localisés de leur présence. Vous ne trouvez pas que ça, c'est une honte? Vous ne trouvez pas que c'est une honte, ça? C'est les services de renseignement américains qui ont alerté. Les services de renseignement ivoiriens, pendant que les gars même sont sur le territoire ivoirien. Ah, la Côte d'Ivoire est tombée. Eh, hey, Guillaume Soro, fais vite, tu vas venir. Eh, hey, Seigneur Guillaume Soro, on t'attend. Fais vite, tu vas venir régler ce problème. Services de renseignement américains, ce sont eux qui ont alerté les services de renseignement ivoiriens qu'il y a des djihadistes, des terroristes sur votre territoire. Et puis ils ont géolocalisé sur le territoire ivoirien. Et puis ils ont donné les renseignements au service de renseignement ivoirien. Service de renseignement américain. Vous allez expliquer ça là comment? Vous allez expliquer ça comment? Sur le sol européen. Et pourquoi pas les Jeux de Paris, même si ça reste à prouver, c'est ça? Leur objectif, pour être bien clair là-dessus, leurs objectifs sont flous. Ce que suspectent les enquêteurs qui les ont arrêtés, ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient pistés, suivis par les services de renseignement américains et français, qui ont alerté les services ivoiriens et malgaches quand ils les avaient identifiés, localisés de leur présence sur leur sol, et donc les arrêter. La certitude, c'est que ces gens-là ont beaucoup voyagé avec des faux papiers, des faux visas, ils avaient des transferts d'argent qui n'étaient pas très clairs. Faux papiers, faux visas, transfert d'argent. Pendant que Ouattara est concentré en train de combattre le Mali, le Burkina, le Niger, on dit à des terroristes qui sont sur le territoire, eux-mêmes ils ne voient pas ça. Le danger qui est sur leur propre, dans leur propre maison, ils ne voient pas. Mais ils sont concentrés sur ce qui se passe chez les autres personnes. Les Ivoiriens, vous êtes dans vos mains. Hein. Vous êtes dans vos mains aussi, c'est sur Ouattara, vous êtes en train de compter pour dire que la Côte d'Ivoire est sécurisée. Je vous dis, baba gnafie. Vous allez tous apprécier. La Côte d'Ivoire en ce moment et à cette santé est dans la main de qui veut, ce qu'il veut faire, quand il veut faire, comme il veut faire. La Côte d'Ivoire n'est pas sécurisée. La Côte d'Ivoire n'est pas sécurisée. C'est ça que vous appelez un président?
avec des faux papiers, des faux visas, ils avaient des transferts d'argent qui n'étaient pas très clairs. Mm-hmm. Ce que les enquêteurs pensent, c'est qu'ils étaient spécialisés dans la confection, dans un réseau de confection de faux papiers qui leur permettait, eux, de voyager, et dont les enquêteurs suspectent que l'objectif, c'était de faire voyager d'autres membres, d'autres anciens collègues de l'État islamique, et notamment en Europe, parce qu'eux avaient visiblement clairement... Mais ils étaient bien installés en Côte d'Ivoire. Vous connaissez bien. Qui les a installés en Côte d'Ivoire? Comment ils ont eu accès? Comment ils ont pu louer maison? Comment, jusqu'à eux-mêmes sont tellement installés qu'ils allaient faire venir encore d'autres personnes pour les rejoindre. Hein? Comment ça? Les services de secret de renseignement de la centre de Ouattara, c'est sur la guêpe qu'ils sont concentrés. Ils sont concentrés sur la guêpe, ils sont concentrés sur Chris Yapi. Oui, c'est nous là. C'est nous là, sur nous que le service de renseignement ivoirien est concentré. Sur la guêpe et puis Chris Yapi. Parce que c'est nous, on fait les cassements des papos. Mais quand c'est pour se concentrer sur la vie des Ivoiriens, ils n'ont pas le temps de ça, ils ne voient pas. Je suis sûre et certaine qu'il y a connivence avec des membres du gouvernement de Ouattara pour que ces gens ça puisse être à l'aise pendant des mois et des mois, s'installer, sortir, revenir encore, et puis s'installer jusqu'au point de vouloir faire venir encore des terroristes, les rejoindre encore une fois, avec des sans-papiers. Hé, hey, c'est sur le dossier. C'est avec un passeport ils ont voyagé là. C'est ça la guêpe de savoir. Mais je ne lâche pas. Hey, visiblement, clairement, l'intention d'aller en Europe. Pour ce qui est de frapper, ou en tout cas de commettre un attentat pour les Jeux de Paris, c'est pas du tout aussi clair que ça. Les enquêteurs américains et ivoiriens, à un moment, visiblement, ont suspecté les gens qu'ils ont arrêtés à Abidjan d'avoir participé à un réseau qui aurait pu... projeter un attentat contre les Jeux de Paris, du côté des enquêteurs français qui étaient en première ligne sur ce dossier, évidemment, les Jeux étant à Paris, les faits sont moins clairs et moins précis. Ça soulève beaucoup de questions, on comprend bien, notamment aussi pour les autorités ivoiriennes et malgaches. Qu'est-ce qu'on sait de l'implantation de ces groupes terroristes en Côte d'Ivoire et de leur éventuel réseau? Ce qui est sûr, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a régulièrement, en tout cas, il y a déjà eu, et il y en a eu encore récemment, des arrestations d'individus affiliés comme étant membres ou proches liés au groupe djihadiste sahélien, en particulier le GNIM, donc lié à Al-Qaïda. La nouveauté dans cette affaire, c'est que là, on parle de gens qui viennent. On dit Al-Qaïda est déjà implanté en Côte d'Ivoire, c'est pas la guerre qui a dit, vous avez entendu. On dit Al-Qaïda là, c'est pas du nouveau, c'est récurrent. Ivoirien, on est dans paix. Ouattara veut nous tuer tous. C'était dans les rangs de l'État islamique, canal historique entre guillemets, donc de l'État islamique au Moyen-Orient, donc en Irak, en Syrie, vraiment à l'époque du calife. Avec ces gens-là, des Irakiens, des Syriens voyagent jusqu'en Côte d'Ivoire en passant par différents pays, c'est ça vraiment la nouveauté. Et à Madagascar, on connaît l'activité. Voilà ça qui est là-haut. Ils sont bien installés en Côte d'Ivoire. Le monsieur dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est récurrent. Al-Qaïda est déjà sur le territoire ivoirien. Qui a permis à Al-Qaïda? Qui a permis à ces terroristes d'être sur le territoire ivoirien? C'est parce qu'il n'y a pas de sécurité. C'est parce que la manigance. Parce que Ouattara, quand il dit qu'il sécurise les Ivoiriens, il ne sécurise pas les Ivoiriens. Tout ce qu'il s'est fait, c'est payer les chars de combat. Les chars de combat des amis de son tuyau des Français, là. Les Adokaflés, là. Ils pensent à venir mettre ça devant la frontière en train de surveiller le Mali, le Burkina, puis le Niger. C'est ça qui est la priorité de Ouattara. Sinon, ce qui concerne la sécurité du peuple ivoirien où il doit se concentrer. Il n'est pas concentré. Les services de renseignement ivoiriens, ils sont concentrés sur la guêpe et puis sur tout ce qu'il y a pire. Ah! Sur les fonds, les cassements des papiers, ils mettent nos informations dehors. C'est sur nous ils sont concentrés. Sur le vrai problème de la Côte d'Ivoire, la vraie sécurité de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas concentrés là-dessus. Les Ivoiriens, vous êtes dans vos mains. Hein? Vous êtes dans la main de qui? On ne sait pas. Sinon, si c'est dans la main de la Sandra Ouattara, je vous dis que c'est bidé. Si c'est dans la main de la Sandra Ouattara, je vous dis haut et fort, à qui veut l'entendre, que ce n'est même pas la peine de compter sur Ouattara. Parce que le gouvernement de Ouattara, c'est un gouvernement de mamaï. C'est un gouvernement d'imposteurs. C'est un gouvernement qui n'est pas là pour les Ivoiriens. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Avec ça, vous êtes étonné. Vous êtes étonné pourquoi? La Côte d'Ivoire qui est à la salle de Ouattara en train de parler tous les jours, matin, midi, soir, pour dire que ça a le même système de sécurité que Genève, là. Voilà ce qu'aujourd'hui. Des gens sont sur le territoire ivoirien. Des djihadistes, des terroristes sont sur le territoire ivoirien. Eux-mêmes, leur service de renseignement n'a pas pu voir ça.
ces services de renseignement américains qui sont venus les alerter, puis géolocaliser les gens qui ont en Côte d'Ivoire pour donner l'information à la Côte d'Ivoire. Hé, hey, ya Ouattara! Oh, quoi, Ouattara? Tu es une filière. Je sais pas quel mot mais je vais utiliser pour exprimer quel genre de personne tu es. Et d'une pourriture, tu ne vaux rien pour la Côte d'Ivoire. Tu mets que la vie des Ivoiriens en danger matin, midi, soir. C'est ça qui est là. Des incapables, ils ont la grande gueule seulement. La grande gueule. Vous ne pouvez même pas gérer le pays. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est les Américains qui sont ici là. C'est eux qui vont aller vous dire qu'il y a danger dans vous, mais votre propre pays, quand géolocalisez où le danger se trouve pour vous donner. Avec ça, vous êtes là, vous vous tapez la poitrine, vous marchez en gangapa. La honte totale. Ouattara est une honte totale. Pour l'Afrique. Une honte totale. Avec ça, vous voulez vous comparer. Vous voulez vous comparer à qui? Ivoirien, voilà la nouvelle. Oh. En ce moment, chacun est dans la main de Dieu qui prie. Si c'est sur Ouattara, vous comptez pour déjouer des faux coups en Côte d'Ivoire. Je vous dis qu'on va tous partir. Je le dis, ne comptez pas sur Ouattara. Hein, parce que la Côte d'Ivoire, c'est une porte ouverte. Chacun vient, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Les terroristes, là, si c'est un jeu qu'on les a attrapés, ceux qui, il y a longtemps, ils sont là. Jusqu'à eux-mêmes, sont tellement confortables que ils vont faire venir leur mogon encore pour bien s'organiser sur le territoire ivoirien. Ça ne vous a même pas réfléchi. Il a fini par